Matitsakelai, pourquoi m'implores-tu? Dit l'Éternel à Moïse au moment où ce dernier s'adresse à lui au bord de la mer des joncs. Quelle est la situation? Les enfants d'Israël ont pu quitter le pays d'Égypte, cette maison d'esclavage, mais alors qu'ils ont pris leur route, alors qu'ils sont en chemin, Pharaon se ravise et envoie des hommes à leur poursuite de façon à les faire retourner en Égypte. Les Hébreux sont inquiets, les Hébreux préfèrent d'une certaine manière retourner en Égypte plutôt que d'avoir à combattre et plutôt que d'avoir à mourir dans le désert. Moïse s'adresse alors à Dieu qui lui répond « Matitsakalai, pourquoi m'implores-tu ? Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veïsaou, et mettez-vous en chemin. » Au moment du danger, ce que dit l'Éternel à Moïse, c'est l'idée selon laquelle la prière ne peut pas tout. L'assistance divine ne peut être toujours présente et il y a un moment où Moïse, ou les enfants d'Israël doivent être capables de prendre leur destin en main, doivent être capables de se mettre en marche, d'avancer pour se sauver. Ce n'est pas la providence qui viendra les sauver, mais eux-mêmes, leur capacité à décider de leur destinée. Dans le même sens, on raconte l'histoire du rabbi de Kotsk qui critiquait l'un de ses collègues qui priait pour la venue du Messie. Et il disait, plutôt que de prier pour l'avènement messianique, mieux vaut enseigner la Teshuva, mieux vaut enseigner le repentir aux enfants d'Israël. On a souvent tendance dans la vie religieuse à se tourner vers la prière, à penser qu'un miracle pourra venir de la part de l'Éternel. Mais on oublie trop souvent de penser le fait que Dieu lui-même dit au peuple d'Israël, dit aux hommes d'être capables de se prendre en main et d'être capables d'avancer. « Matitsakelai, pourquoi m'implores-tu ? Pas besoin de prière. Daber el bene Israël veïsaou, parle aux enfants d'Israël et mettez-vous en chemin. » C'est en étant capable de prendre son destin en main, en étant capable de se mettre en chemin, en marche, que un peuple, qu'une personne peut transformer sa destinée et être capable de devenir lui-même, être capable de devenir ce qu'il a envie d'être. Shabbat Shalom.